Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite session tranquille en début de saison, apicole. Quelque chose qui est plus qu'important pour moi en début de saison et trop oublié pour beaucoup d'apiculteurs. Ça s'appelle la classification des ruches. Alors la classification des ruches, elle va apparaître avec une deuxième vidéo en suivant qui sera principalement l'équilibrage. Alors, qu'est-ce que c'est la classification des ruches? En sortie d'hivernage, rares sont les apiculteurs qui ont toutes les colonies au même niveau. On va avoir du petit, du gros, du très gros, du très petit. Déjà, on va voir les différentes classifications qu'il va y avoir. Le but est d'amener toutes les ruches au même endroit, de regarder peut-être s'il y a des reines qui vont être défaillantes, donc marquer sur les chapeaux, attention, il faudra faire attention à cette reine, est-ce qu'il va falloir la changer en cours de saison ou pas. Et après, suite à ça, amener les ruches jusqu'à la période d'essaimage. Alors, cette petite vidéo va permettre en fait de vous montrer quelles ruches j'appelle très petites, petites, moyennes, grosses et très grosses. Et sur la deuxième vidéo qui s'appellera l'équilibrage, cette fois-ci, on regardera qu'est-ce qu'on fait avec ces cinq catégories. Concernant le matériel qu'on a besoin pour la classification des ruches. Alors, pour vous expliquer, je vais réaliser une visite entre toutes les 3 semaines et tous les mois, jusqu'à arriver à la période d'essaimage qui sera autour du 1er avril, donc en fonction des régions durant le mois d'avril. Et je vais faire environ 3 passages par ruche. Donc je vais vérifier les réserves, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Classifier les colonies, ça je vais vous expliquer comment. Et puis je ferai un équilibrage qui sera lié à une autre vidéo. Donc, en termes d'outils, il va vous falloir du candy, toujours il vous le faudra. Il y aura certainement des colonies qui réclameront un peu de nourriture. Donc moi à cette époque, je ne remets pas un pain de candy entièrement, je mets un demi-pain grossièrement pour s'adapter petit à petit aux besoins de la ruche. Je vais avoir besoin de mon lève-cadre et de mon soufflet, hein, comme traditionnellement. Et surtout, ce qui est important, c'est de travailler avec 3 stylos de couleurs différentes. Alors pourquoi? Parce que ça correspondra à chacune des visites. Ça me permettra tout simplement de savoir au fur et à mesure de mes visites si la colonie stagne, si la colonie évolue plus ou moins vite, ou si au contraire elle régresse, et comprendre pourquoi. Donc dans un premier temps, là lors de la première session, je vais utiliser le feutre noir, puis le posca rouge, puis le vert. Vous pouvez faire n'importe quelle couleur, ça changera rien. Le but en fait est de bien voir si les colonies évoluent, si elles régressent ou si elles stagnent. Et souvent se poser les bonnes questions. Est-ce qu'elles stagnent parce que j'ai manqué de vérification de réserve? Est-ce que la reine est plutôt âgée? Est-ce qu'elle a une défaillance? Est-ce qu'elle évolue trop vite? Donc là, on pourra faire attention à la limite d'essaimage. Tout ce genre de choses. Et puis, pour éviter que, on va dire, ces contraintes-là, après, on fera un équilibrage sur la seconde vidéo. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe sur les ruches. Alors, concernant les ruches, rien de compliqué sur la classification. Ce qu'il faut vous retenir, c'est qu'on va toujours travailler par multiple de 2. Donc, une colonie qui a moins de 2 cadres d'abeilles, pour moi, c'est une colonie qu'on classifiera très petite. Une colonie qui a 4 cadres d'abeilles, c'est une colonie petite, et ainsi de suite. Donc, une 6 cadres, ça sera une moyenne, une 8 cadres, ça sera une grosse, une 10 cadres, ça sera une très grosse. Que vous soyez à n'importe quel moment de la saison, clairement de on va dire début janvier jusqu'à début avril, le temps qu'on classifie les colonies. Donc chaque fois que vous allez faire une visite, vous allez vous dire est-ce que ma colonie est très petite, est-ce qu'elle est petite, moyenne, grosse, très grosse, et vous allez le marquer avec une couleur par visite. Ce qui fait que, indéniablement, la fois prochaine, votre colonie, soit elle aura stagné, soit elle aura grossi, soit elle aura régressé. Quand elle grossit, j'ai envie de dire, c'est normal. Si elle grossit trop vite, juste il faudra faire attention à se dire,
peut-être il y aura une limite d'essaimage à faire dessus. Ça, c'est après un choc. Si elle stagne, souvent c'est lié à la nourriture. Une colonie légère avec une reine qui adapte sa ponte parce que manque de nourriture. Et si elle régresse, aïe aïe, il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est? Simplement, est-ce que la reine est toujours, on va dire, correcte ou pas? Il peut y avoir une défaillance de ponte. Voilà. Donc il va falloir, l'avantage de ces trois coloris là, c'est que vous allez pouvoir analyser très facilement et visuellement sur votre chapeau si la colonie est en forme, si elle reprend la ponte correctement ou pas. Donc voilà, le but de la classification de la colonie, elle est souvent associée à l'équilibrage du rucher. C'est pour ça que c'est sur la vidéo suivante, ben souvent on parle de l'équilibrage. Mais voilà, dans un premier temps, c'est juste que vous ayez la capacité de voir visuellement et très vite si vos colonies évoluent normalement ou pas, et qu'est-ce qu'on fait en fonction d'eux. Voilà. Alors, comment ça se passe par exemple sur les chapeaux? Donc là, la première visite, vous pouvez voir que j'avais un marquage gros. Et là, 3 semaines après, je suis toujours gros. Je ne suis pas passé en très gros, donc sur 10 cadres. Donc, je suis toujours à 8 cadres. Donc, la colonie, pour le moment, stagne. Alors, c'est effectivement normal. Quand on regarde la météo en arrière, on s'aperçoit qu'il y a eu un coup de froid et que la colonie ne s'est pas extrêmement développée. A contrario, là, vous avez une colonie. Donc là, elle était moyenne. Elle est passée grosse. Donc vous voyez que là, concrètement, on a une colonie qui est passée de 6 cadres à 8 cadres et qui évolue correctement. Et puis on a d'autres colonies qui font, là j'en ai pas sous la main pour vous montrer, mais qui seraient l'inverse, donc qui auraient été grosses la fois dernière, qui passent moyen. C'est là où il faut faire attention. Peut-être que ça peut être une défaillance au niveau de, comme je vous disais, de la reine. Bien faire attention à ça. Quand ça m'arrive, donc ça c'est un marquage de l'année dernière, je marque « reine a changé ». Ça me permet que durant la saison, je me dise « ah tiens, là il y a peut-être un souci ».